m'appelle Abungon Ovoto Charisma. Je suis en classe de 4e B au lycée Alliance Chrétienne Martin et Pan d'Ongoyem dans la province du Wolentem. Le roman que je vais présenter s'intitule Malédiction. Il a été écrit par l'écrivain gabonais Sylvine Tam. Les thèmes abordés dans ce roman sont le mariage traditionnel, le pouvoir de la parole et l'image de la femme. Ce roman parle d'un homme, Joël Ondor, qui se trouve face à la tradition. Son père, voyant qu'il tardait à se marier, l'a marié à la fille de son meilleur ami, le chef du village Zoyan et de Leroy, qui s'appelle Sandrine. Et ne voulant pas de ce mariage, Joël est parti au village pendant les préparatifs du mariage. Il a saccagé le village. Et donc, quand Sandrine ne pouvant pas supporter cette humiliation, s'est enfuie dans la forêt et s'est suicidée. Son père a maudit Joël et Joël, voulant échapper à la malédiction, s'est enfui en France chez sa copine Josiane. Et donc, celle-ci est décédée pendant l'accouchement. Quelques années plus tard, après être resté chez les prêtres qui ont prié pour lui, Joël a rencontré Françoise. Et pendant l'accouchement de Françoise, s'est rendu compte qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes, en particulier à sa mère et à Sandrine. Et donc, il leur a demandé pardon et elles l'ont pardonné. Dans ce roman, j'ai apprécié que Joël puisse se rendre compte de ses erreurs et demander pardon, parce que demander pardon peut nous aider à résoudre.